De farine, de cornichon, de sucre glace, de sel, de sauce burger, de vinaigrette, de sucre vanillé, de tomate. Voilà les ingrédients de cette recette. Nous allons mélanger du sel, un petit peu, du ketchup, de la sauce burger, du sucre glace, de la vinaigrette, enfin, j'ai dit un peu. Des cornichons. On en utilisera deux. Un, deux. Nous aurons aussi besoin de farine pour gâteau. Et une tomate. Et les pastèques, c'est pour mon grignotage. Ouais. Allons mélanger. Ouais. Ah non, il faut que Océane rajoute une pincée de sucre vanillé. Notre recette sera super bonne, je suis sûre que tout le monde va l'adorer. Ouais! Puisque notre pâte est terminée, nous allons la verser dans le moule. Elle a l'air très bonne cette recette. Et voilà! Ouais! Alors, il est prêt le pain au chocolat? Ça arrive! Ça sent bon! Voilà le résultat de notre pain au chocolat magique après 30 minutes à 180 degrés dans le four. Il doit être bon. Et pour le goûter, nous allons inviter notre amie Willa. Bonjour mes amis. C'est moi qui vais goûter le pain au chocolat. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait manger? Je suis en...